moi j'ai une question, comment t'as fait pour t'évader justement parce qu'il y a des caméras partout? C'était Prison Break? Ouais, c'était un truc C'est de... ça? Ah oui, c'était un peu débat. On leur dit, moi je rentre chez WAM. Ça veut dire, moi je vais rentrer chez moi. Du coup, la sécurité elle est rentrée, ils m'ont mis en isolement. Ils m'ont mis en isolement. Ils m'ont mis en isolement à 2h30 du matin, ils m'ont enfermé dans l'isolement. Donc là-bas, il n'y a pas de caméra, du coup, je disparais du programme, j'existe plus dans le programme. Je deviens ouf. Je dis, il faut que je me barre d'ici. La porte, elle est fermée. De mon côté, j'ai une tête. Les portes un peu parisiennes, tu peux ouvrir de l'intérieur, mais de l'extérieur, tu as la poignée ronde. Oui. Bah, c'est exactement comme ça, la porte. Lui, de son côté, il peut m'ouvrir. Il peut me sortir de la pièce où il m'a enfermé. Mais moi, de mon côté, j'ai que la poignée ronde. La poignée, elle est tenue par deux vis plates. Et moi, j'ai la pince du micro. T'as vu les pinces du micro? Ça fait. Bah voilà. Bah tu vois là. Ça, tu peux rentrer. Tu peux le rentrer dans la vis plate. Tu casses le truc et tu peux rentrer dans la vis plate. Ouais. Et avec ça, j'ai enlevé les deux vis. J'ai enlevé le socle de la poignée. Et après, t'as le cylindre carré avec le petit. De la porte. T'as le cylindre carré. Je dis, putain, comment je vais faire pour ouvrir le cylindre carré, pour tourner la poignée alors que j'ai pas le truc? Je deviens ouf, je sais pas comment faire, je trouve un cintre. Dans la pièce, je trouve un cintre et j'ai réussi avec le cintre à foutre dans le cylindre carré et à ouvrir la porte. Tous les gens, à 4h30 du matin, c'était la fin du programme, ils dorment dans la chambre. Du coup, la sécurité, c'était 100% sûr que la sécurité, la caméra de la sécu où la sécu regarde, c'était orienté que dans la chambre. Ils vont pas regarder les couloirs alors que tout le monde est dans la chambre. Je suis parti au dressing, j'ai enlevé mes claquettes, j'ai mis une paire de chaussettes, mes baskets. Personne ne m'a vu. Je suis sorti dans le jardin. Il y avait une petite mezzanine. Je suis monté sur la mezzanine, sur le toit. Du toit, j'ai tracé. Une fois que je suis monté sur le toit, tu voyais la route. Donc, du coup, après, j'ai tracé vers la route. J'ai sauté deux portails, un mur et je suis atterri dans la rue et je me suis échappé.